Louez le Seigneur, tous les peuples. Fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Seigneur, écoute ma prière. Entends ma voix qui te supplie. Je t'appelle au jour de ma détresse. Toi, Seigneur, tu me réponds. Rien n'est comparable à toi. Rien n'égale tes œuvres. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous tous. Le Seigneur nous accueille en ce dimanche sexagésime, le deuxième avant le carême, par les paroles du psaume du jour que nous venons d'entendre dans l'antienne. Et pour débuter dans cette célébration, pour débuter ensemble, nous allons chanter le psaume 25 qui se trouve à la page 430 de vos livrets. Je vous invite à vous lever. Je vous invite à reprendre place. Entrons ensemble dans la louange en reprenant les paroles du psaume 25. À la page 297. 297. Nous ferons résonner la louange en dialogue. Je vous propose de dire à l'unisson les versets du psaume marqués d'un trait de couleur. Chacune et chacun est libre de poursuivre la prière en silence, en s'inspirant aussi de la version allemande du psaume à la page en face ou de celle qui se trouve aux pages suivantes. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Je m'appuie sur toi, épargne-moi la honte, ne laisse pas triompher mon ennemi, pour qu'il espère en toi pas de honte. Mes trompes et déceptions pour
Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. C'est toi que j'espère tout le jour en raison de ta bonté, Seigneur. Rappelle-moi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Les voies du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son alliance et à ses lois. Gloire soit au Père. Le numéro 345, la page 345. Je vous invite à rester dans la prière. Présentons-nous maintenant devant Dieu tel que nous sommes, avec ce qui nous sépare de lui et nous sépare les uns des autres. Quand nous sommes à bout de souffle et que le feu de notre vitalité s'éteint, pose sur nous, ô Père, ton regard de tendresse. Quand nous nous sentons pauvres et vide, sans rien à partager, réveille en nous la source du don. Quand nous désespérons de l'amour et que nos relations sont habitées d'amertume, ouvre en nous une brèche où la vie s'inventera. Quand nous sommes pleins de nous-mêmes et qu'en nous s'agite le serpent de notre moi, viens nous souffler un bonheur qui vient d'ailleurs. Quand nous sommes repus de bien et que vient la peur de perdre, donne-nous la fin de ta parole qui met tout à l'envers. Quand nous perdons la mémoire et que s'affole le sens de l'histoire, éveille-nous à ta fidélité sans faille. Oui, accorde-nous la paix, Seigneur. Chantons ensemble à la page 348. Accorde-nous la paix, Seigneur. Accorde-nous la paix, Seigneur, en temps de misère, ô, tout ton Dieu que toi, ne toi.
et pour recevoir le pardon de Dieu, je vous invite maintenant à vous lever. Sœurs et frères, il n'est jamais trop tard pour Dieu. Il ne fait jamais trop sombre pour Dieu. Nul n'est jamais perdu pour Dieu. Rien ni personne ne prendra jamais notre place dans sa maison. Il nous attend et nous attendra encore et encore le temps qu'il faudra. Cette fois, nous savons où aller. Nous mettrons nos pas dans ceux du ressuscité et déjà la fête commence. Elle durera pour l'éternité car c'est moi, dit Dieu, c'est moi qui vous réconforte afin que votre joie soit parfaite. Chantons maintenant notre reconnaissance à la page 470, les strophes 1 à 3. Et nous nous souvenons maintenant de notre baptême. Venant de maisons, d'églises, de spiritualités différentes, nous célébrons le don unique de la grâce qui nous est fait par le sacrement du baptême. En souvenir du baptême de chacun, chacune, nous versons de l'eau dans les fonts baptismaux. L'eau est un élément indispensable à notre existence. Au commencement, l'Esprit planait sur les eaux. Quatre fleuves sortaient du paradis pour féconder la terre. Cette eau nous rappelle que Dieu veut toujours à nouveau faire passer ce qui nous empêche de vivre à la vie en plénitude, en communion avec lui et avec les uns et les autres. Par le baptême qui nous est commun, nous sommes un seul corps et un seul esprit. Par le baptême, nous mettons notre espérance commune en Jésus-Christ, qui nous accorde sa présence à partager. Unis à lui, unis les uns aux autres et à la communauté chrétienne de tous les temps et de tous les lieux, tout au long de notre vie, nous pouvons accueillir l'Esprit de Dieu qui fait jaillir en nous une vie nouvelle, en ouvrant maintenant les Écritures.
Et ce matin, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 55. Recherchez le Seigneur, puisqu'il se laisse trouver, appelez-le, puisqu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin, et l'homme malfaisant abandonne ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui manifestera sa tendresse vers notre Dieu, qui pardonne abondamment. C'est que vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins, oracle du Seigneur. C'est que les cieux sont hauts par rapport à la terre. Ainsi mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins, et mes pensées par rapport à vos pensées. C'est que, comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux, et comme elle ne retourne pas là-haut sans avoir saturé la terre, sans l'avoir fait enfanter et bourgeonner, sans avoir donné semence au semeur et nourriture à celui qui mange, ainsi se comporte ma parole du moment qu'elle sort de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pourquoi je l'avais envoyé. C'est en effet dans la jubilation que vous sortirez et dans la paix que vous serez entraînés. Recherchez le Seigneur, puisqu'il se laisse trouver. Appelez-le, puisqu'il est proche. Au moment où résonnent ces paroles pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, dans la bouche d'un prophète nommé Ésaïe, les Hébreux, à qui cette parole est adressée originellement, viennent de passer plusieurs décennies en déportation à Babylone. Pour vous situer cela dans l'histoire, on est à peu près entre les années moins 550 et 539 avant Jésus-Christ. Et cet exil forcé, qui a été l'exil de ce peuple en Assyrie, a laissé des traces. Les exilés sont à ce moment-là désabusés, parce que ça fait des années, des décennies qu'ils ne vivent plus chez eux. Chez eux aussi, dans leur capacité à pouvoir maîtriser le destin de leur existence, les exilés sont désabusés, découragés. Certains accusent le Seigneur d'ingratitude envers son peuple. D'autres maintenant sont séduits par les dieux babyloniens parce qu'ils les fréquentent depuis quelque temps. D'autres enfin sont choqués que Dieu ait finalement choisi Cyrus, un roi perse, et donc un païen, un non-juif, pour libérer son peuple, en lui permettant enfin, à cette époque-là, de retourner en Palestine, de retourner à Jérusalem. Et donc, ce qui, normalement, aurait dû constituer une grande joie pour tout un peuple, vous imaginez, vous êtes déporté pendant des décennies, vous avez peut-être l'espoir de retourner un jour chez vous, voir votre terre. Eh bien, ce qui devait être une grande joie pour tout le peuple est en train de se transformer en défiance à l'égard de Dieu. Les Hébreux sont désormais libres de rentrer, et certains l'ont déjà fait d'ailleurs, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, l'exil se poursuit. Ils se sont éloignés de Dieu. On les a éloignés de Jérusalem. Maintenant, avec tout ce qu'ils ont vécu de difficile là-bas, avec des horizons bouchés, eh bien, ils se sont mis en exil à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ressemblent, selon les termes d'Isaïe au chapitre précédent, le chapitre 54, à une épouse malheureuse battue de la tempête
et que nul ne console. L'image est saisissante. Alors le prophète, dans les paroles que nous venons d'entendre, eh bien se fait consolateur. Puisque personne ne console, alors j'ouvre la bouche et je dis ce qui est. Il se fait consolateur et il lance à leur intention, à l'intention de ce peuple, à l'intention de ces gens qui désespèrent, qui sont désabusés, eh bien, il lance un appel à la conversion, au changement de ce qui les habite intérieurement, comme pensée, comme parole. Une conversion du regard, il les invite à voir les choses autrement, et une conversion du cœur, il les invite à se rapprocher les uns des autres, mais aussi à laisser Dieu se rapprocher d'eux. Il cherche donc, ce faisant, à créer une nouvelle conscience pour ces gens, pour aider ses contemporains à relever le défi que représente l'épreuve du moment. Et dans le même temps, cela l'amène à réévaluer et préciser la nature de la relation que Dieu souhaite tisser avec les humains. C'est comme s'il y avait quelque chose de neuf à dire à cet endroit. Et voilà cette parole que nous venons d'entendre, une parole neuve qui résonne à l'époque comme une parole neuve. Et avant de voir ce qu'est cette parole, ce qu'elle dit, j'aimerais simplement signaler quelque chose. Vous voyez, il y a cette épreuve, il y a cette difficulté, et je vois ce prophète, qu'est-ce qu'il fait? C'est intéressant à voir ce qu'il fait, ce prophète, plutôt que de se baser sur ce que nous avons encore, ou ce que nous savons encore, ou ce que nous ferons encore par nos propres forces. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il se concentre sur l'être de Dieu. Il cherche l'être. C'est-à-dire, il cherche une réponse aux difficultés dans l'être, et pas dans l'avoir, pas dans le savoir, pas dans le faire. Il repart d'un endroit qui est l'essence même de ce qui fait que Dieu est Dieu et nous sommes hommes et femmes. Alors que dit-il? Il dit d'abord, recherchez le Seigneur, puisqu'il se laisse trouver. Appelez-le parce qu'il est proche, que le méchant abandonne son chemin et l'homme malfaisant ses pensées, qu'il retourne vers le Seigneur qui lui manifestera sa tendresse, vers notre Dieu qui pardonne abondamment. Il leur dit, ce Dieu que vous pensez lointain, dont vous vous êtes éloigné, est en fait proche de vous. Beaucoup plus que ce que vous n'imaginez, beaucoup plus que ce que vous n'imaginez. Mais si vous ne le cherchez pas, dans cette parole, c'est indiqué comme ça, il ne s'imposera pas à vous et vous passerez à côté. Vous resterez à côté de cette présence. Oui, l'appel d'Isaïe à cet endroit concerne les assoiffés, ceux qui ne parviennent plus à se satisfaire de ce qu'ils ont ou de ce qu'ils font. Aux desséchés, qui ont soif de sens, de rencontre et de vie, il est demandé de chercher, d'appeler, d'abandonner et de se retourner. C'est un autre mot pour dire se convertir. Les verbes choisis évoquent tous le mouvement, le déplacement. Seul Dieu apparaît ici comme le point fixe, le repère qui ne trompe pas. Il est celui qui ne joue pas à cache-cache avec nous. Il se fait discret, mais il veut être trouvé. Mais il ne s'impose pas. Il est proche, il attend, il pardonne, il aime. Et nous, nous sommes appelés à aller vers lui. Vers lui. Voilà la première parole qu'il donne, ce prophète, à ces personnes qui sont désabusées. Alors il leur dit, Dieu est proche. Mais il leur dit aussi, mes pensées ne sont pas vos pensées de la part de Dieu. Mes voix ne sont pas vos voix, ne sont pas mes voix. C'est que les cieux sont hauts par rapport à la terre,
Ainsi, mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins et mes pensées par rapport à vos pensées. Ce que signale ici le prophète, c'est que bien que Dieu soit proche, il ne se laisse pas enfermer par nous. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Et là, en fait, ce que le prophète signale, c'est que il est bon de laisser chacun à sa place. Nous, les humains, sommes les humains. Et nous avons nos propres façons de penser, nos propres consciences, notre propre façon de gérer les situations dans la vie. Et ce que le prophète dit là, c'est qu'il nous invite à respecter l'identité, la singularité, l'être de Dieu qui est différent. Il est l'Éternel, aussi proche qu'insaisissable, le Dieu libre qui appelle à la liberté. Et voyez-vous, dans le cas qui nous préoccupe, en fait, pour les Hébreux, il y a là cette parole qui rappelle que Dieu pense différemment, apporte des choses différemment. Et il y a derrière tout ça le choix de Cyrus comme roi païen, comme libérateur par exemple. C'est-à-dire, voilà une pensée que le peuple hébreu n'avait pas. Que le libérateur pouvait être quelqu'un qui n'appartenait pas à la communauté. Et donc cette idée nouvelle, cette idée qui nous ouvre à quelque chose de plus grand, vient de Dieu, pas des hommes. Et voilà ce qui est signalé dans ce deuxième passage. Mais du coup, quand on prend cela, on comprend ce qui est en train d'arriver dans cette parole aussi. Puisque Dieu est proche de nous, il se met dans notre proximité, nous avons donc la possibilité de rentrer en relation. Et on nous dit aussi que Dieu est vraiment différent de nous. Il y a donc de l'espace entre nous, puisque nous sommes différents. Et cet espace, c'est l'espace de la relation. Et voici comment elle est décrite, cette relation, dans notre parole de ce matin. C'est que comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux, et comme elle ne retourne pas là-haut sans avoir saturé la terre, sans l'avoir fait enfanter et bourgeonner, sans avoir donné semence au semeur et nourriture à celui qui mange, ainsi se comporte ma parole du moment qu'elle sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pourquoi je l'avais envoyé. Vous voyez que la relation ici qui est proposée, c'est une relation en fait qui ressemble au cycle de l'eau. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est fluide, oui, qui est un mouvement, une relation, quelque chose qui nous donne à penser que la parole de Dieu est quelque chose qui doit circuler entre nous, dans une relation. C'est-à-dire que ça va de Dieu qui a des pensées qui ne sont pas les nôtres, vers nous, qui participons à ces pensées, et cette pensée est alimentée, et elle produit quelque chose qui retourne à Dieu, et ce mouvement devient le mouvement de la vie entre nous. Oui, le texte parle d'une parole qui vient sur la terre, mais qui retourne ensuite vers Dieu. On ne peut pas la retenir. C'est que la parole de Dieu vient d'ailleurs, elle surgit de l'éternité, de l'infini, et se trouve à l'étroit dans nos mots et nos idées humaines. En théologie, on dit que la parole de Dieu est transcendante, c'est-à-dire qu'elle nous dépasse. Cette parole vient de Dieu et retourne à Dieu. On ne peut pas la retenir ni l'accaparer. Et c'est pour cette raison que les croyants, même si la parole de Dieu porte du fruit en eux, n'ont rien dont ils pourraient se prévaloir. Ils n'ont pas de pouvoir magique, les croyants, pas d'aura ou de dignité particulière qui les distinguerait des autres. Parfois, nous disons que nous avons Dieu ou que nous avons la foi, mais c'est seulement une manière de parler en vrai. En réalité, nous sommes simplement l'honneur d'être traversés par la parole de Dieu. Mais en nous traversant, la parole de Dieu nous transforme, comme la pluie transforme un désert en terre fertile. Même dans les jours les plus arides, dans les jours de peur, dans les jours de honte, dans les jours d'amertume, la parole de Dieu vient nous donner des forces et du courage. Elle vient gorger nos cœurs de lumière et de tendresse. Elle fait jaillir des sources
qui sont insoupçonnées en circulant en nous-mêmes. Elles donnent un sens, une direction nouvelle à nos existences. Il y a quelque chose qui passe, il y a quelque chose qui circule, il y a quelque chose qui est vivant entre Dieu et nous. Et bien sûr, cette chose qui est créée dans la relation, eh bien, ouvre des perspectives. Et c'est ce qui nous est rappelé comme parole ultime de ce texte. C'est le dernier verset. « C'est en effet dans la jubilation que vous sortirez et dans la paix que vous serez entraînés. » C'est-à-dire que l'orientation, la direction que je donne à la relation que nous avons ensemble, elle est orientée vers la joie. Et même si maintenant vous vivez dans la peine, dans la difficulté, notre relation est orientée vers la joie. Et cette joie sera un jour là, pleinement. Alors laissons cette parole nous rejoindre ce matin. Nous ne vivons bien sûr pas à l'époque d'Isaïe. Mais cette parole, nous pouvons peut-être la recevoir aussi, parce qu'il se trouve que notre monde ressemble aujourd'hui, parfois, à cette femme malheureuse battue par la tempête et qui ne trouve pas de consolation. Beaucoup de gens dans notre société aujourd'hui sont dans un non-sens par rapport à leur existence. Beaucoup de gens sont aujourd'hui isolés dans ce questionnement, sans possibilité de retourner à un collectif. Et donc il y a un enjeu pour nous aussi. Est-ce que nous acceptons d'être les croyants pour ce monde d'aujourd'hui qui laisse circuler quelque chose de ce bienfait que Dieu veut pour l'humanité? Est-ce que nous le laissons circuler en nous-mêmes, pour les autres, et pour nous-mêmes, et pour Dieu? Et donc ça, c'est peut-être l'interpellation pour nous aujourd'hui. Regardons autour de nous, vous verrez, les mêmes enjeux existent. Et peut-être la même question, qui est-il ce Dieu? Qui est-il ce Dieu qui veut une relation avec nous? Et que veut-il? Que veut-il impulser dans nos existences? Voilà peut-être les questions avec lesquelles nous pouvons partir. Pas de certitude aujourd'hui, vous êtes d'accord? Des questions. On emporte cette question pour nous-mêmes, mais peut-être on peut aussi les poser en église, c'est-à-dire collectivement. Comment être l'instrument de Dieu dans ça? L'instrument de cette relation, de cette circulation de la parole, de cette création d'horizons nouveaux. Voilà les questions qu'ont fait émerger les lectures de ces versets en moi, pour vous.
Et nous nous unissons maintenant dans la prière, qui est une façon tout à fait concrète de laisser agir la circulation de la parole de Dieu au milieu de nous, de laisser agir le cœur de Dieu pour nous-mêmes, pour l'humanité. Je vous invite donc à vous lever. Seigneur Jésus, tu dessines au cœur de nos vies un chemin de confiance et nous te confions notre prière. Tu as posé dans le cœur de tes disciples la semence de ta parole. Nous te prions pour l'Église, qu'elle soit un reflet de ta bonne nouvelle. Tu as posé dans le cœur de chacun la semence de ton amour. Nous te prions pour l'humanité déchirée. Que grandisse parmi nous ton amour qui ne cesse de faire toutes choses nouvelles. Tu as posé en ton Église la semence de ta confiance. Et nous te prions pour celles et ceux qui te sont fidèles, qu'à la suite de ton Fils, ils apprennent à se faire confiance les uns aux autres. Tu as posé en l'humanité ta semence de vie. Nous te prions pour toutes celles, tous ceux qui luttent, qu'ils soient fortifiés dans leur combat. Nous pensons tout particulièrement ce matin à des situations particulières dans certains pays. Nous te confions, Seigneur, l'Iran, l'Ukraine, la Turquie et la Syrie. Dans le silence, nous te confions également ce qui nous tient particulièrement à cœur. Et nous te nommons les personnes auxquelles nous pensons, que nous portons, avec lesquelles nous sommes en lien. Jésus-Christ, parole faite chair, nous te disons notre action de grâce et notre prière. Tu es béni pour les siècles des siècles. Et ensemble, parce que nous avons compris que nous avons un destin commun, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons chanter maintenant le cantique 523. Et pendant ce cantique, c'est chanté ou pas celui-là? Oui, c'est chanté. Et pendant ce cantique, nous allons recueillir également l'offrande. Vous trouverez à côté de la corbeille pour les dons, en espèce, une corbeille électronique pour le don par CB. Thank you.
Et en réponse à cette parole qui nous a été partagée, pour en faire une force de vie pour nous-mêmes, pour nos proches, pour au-delà même du visible, de notre visible, eh bien, je vous invite à dire ensemble la confession de foi à la page 422. Dire oui à Dieu, c'est dire oui à l'autre différent de moi, avec ses capacités et sa force, mais aussi avec ses faiblesses, ses défaillances, ses fautes. Dire oui à Dieu, c'est dire oui au pardon et à la réconciliation, renoncer s'il le faut à avoir raison pour l'amour de la communion retrouvée. Dire oui à Dieu, c'est dire oui à l'autre et lui tendre la main, non pour oublier, qui peut oublier, mais permettre de sauter les fossés qui se sont creusés comme on tend la main à celui qui est tombé, et parce qu'il est tombé. Seigneur, apprends-moi à faire le premier pas, à tendre la main par-delà tous les fossés creusé par l'égoïsme, la susceptibilité, l'orgueil ou l'avidité, sans attendre que l'autre soit prêt à s'amender et à réparer. Toi qui pardonnes sans condition, apprends-moi à pardonner sans condition. C'est ainsi que les inévitables conflits de la vie contribueront à construire une maison pour tous, où l'amour reçu et partagé proclamera la puissance du pardon qui nous est offert dans la vie, la mort et la résurrection du Christ, notre Seigneur. Et en guise d'envoi, pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu, je vous invite à chanter le numéro 544 et nous chanterons les strophes 1 et 4. Peuple du Seigneur, que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et t'accorde sa paix. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne la paix. Amen. Et je vous invite à vous rasseoir et nous allons entendre le postlude. Thank you.
Merci Gilles pour l'accompagnement de ce culte. Et quelques annonces maintenant encore. La prière Respire ce vendredi à 18h aura comme thématique l'art de la prière. Le culte avec baptême et Sainte-Cène aura lieu, prochain culte, dimanche prochain à 10h30. Le grand bazar de la Sémis à l'église aura lieu les 24, 25, 26 février. Et Rudy m'a demandé de vous signaler qu'il n'y aura pas de prière du vendredi, ni de culte dominical au Temple Neuf les 24 et 26 février. Comme ça, vous pouvez vous préparer à cette perspective. Voilà. Toujours est-il que j'ai été honoré de pouvoir participer à ce culte avec vous. Ça a été un plaisir, comme à chaque fois. Et pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas, il est enfin temps de me rencontrer, un peu en sachant. Donc je m'appelle Arnaud Stolz et je suis pasteur à l'église Saint-Pierre-le-Vieux à Strasbourg, dans laquelle en fait nous vivons une expérience d'église qui est un peu différente, pas traditionnelle, et qui en fait a à voir aussi avec, vous savez ce que je vous ai raconté tout à l'heure, concernant en fait les nouveautés. Ouais. Des fois, quand on regarde l'église Saint-Pierre-le-Vieux aujourd'hui, on se dit « Oh, est-ce que Dieu est encore vraiment là-dedans ?» Et en fait, peut-être que oui. Vous voyez, ça fait partie de ces lieux. Ou quand on fait quelque chose dans une communauté, et puis tout d'un coup, on fait du neuf, et on se dit « Mais est-ce que vraiment Dieu est encore là-dedans ?» Et peut-être que c'est le signal que, ouais, il s'approche, il est là. Et il fait circuler quelque chose de neuf, parce que nous avons besoin de vivre quelque chose. Donc, si on a l'occasion de se rencontrer un jour là-bas, venez. La porte s'ouvre aussi chez nous, parfois, de temps en temps. Et comme moi, je suis content de pouvoir trouver des portes ouvertes chez vous, de temps en temps. Voilà. Bon dimanche et à bientôt.